L'entrée des troupes américaines dans Bagdad, il ne s'agit pour l'instant que d'incursions. Un message clair au régime irakien, affirment les porte-paroles américains. De violents combats se sont déroulés et se poursuivront dans la capitale comme sur d'autres fronts. L'aéroport est sous contrôle et sert de base d'opération. Bagdad sous les bombardements, plusieurs centaines de victimes des raids aériens ou des combats dans les hôpitaux de la ville. Scène de détresse, le prix fort de la guerre. L'épidémie de pneumopathie avec de nouveaux cas suspects dans le Cantal. Par manque d'informations, les entreprises ne savent si elles doivent intégrer ou mettre en quarantaine leurs salariés qui reviennent d'Asie. La Coupe Davis, la Suisse mène 2-1 dans le quart de finale qui l'oppose à la France après la victoire de Roger Federer et Marc Rosé dans le double à Toulouse. Madame, Monsieur, bonsoir. Au 17e jour de guerre, les premiers assauts des troupes américaines qui sont entrées à Bagdad. De violents combats ont opposé pendant plusieurs heures les chars de la coalition à des unités irakiennes. Impossible pour l'instant de parler de la bataille de Bagdad, mais d'une incursion militaire présentée officiellement comme une démonstration de puissance à l'égard du régime irakien. En tout cas, une étape décisive. George Bush ce soir assure que la libération de l'Irak est en marche, mais les combats sont loin d'être terminés. Stéphane Breitner. Pour les Américains, cela s'appelle un message clair. Il faut frapper fort alors. Sur sa route vers Bagdad, la 3e division ne fait pas de détails. Tout ce qui est dans son champ de vision est une cible, même les véhicules civils. Tanks, transport de troupes, les blindés filent sur le bitume, direction le centre-ville. Soudain, sur le bas-côté, un militaire pratiquement désarmé se rend. On lui demande de se coucher, un deuxième soldat le rejoint, puis il s'exécute. Ceux-là ont eu la vie sauve, d'autres pas. En 2 heures, les marines sont détruits 40 tanks, des dizaines de camions de munitions. Perte minimale, les soldats parlent d'un mort dans leur rang. L'objectif est très clair, prouver que les forces de la coalition peuvent entrer et sortir de Bagdad où et quand elles le veulent, et établir leur présence où c'est nécessaire. Je pense que ce genre d'opération va continuer. Voilà ce qu'il reste d'une caserne de la garde républicaine près de l'aéroport. Les bombardements de la nuit ont nettoyé le terrain. Parfois, il y a bien quelques poches de résistance. Mais comment résister? La cible a été atteinte. La voie est libre. Des ruines, des morts. Après leur raid, les Américains font demi-tour. Mais les autorités irakiennes n'ont pas la même analyse. C'est sûr maintenant, nous les avons écrasés. Nous les encerclons et nous les bombardons sévèrement avec de l'artillerie et des tirs de missiles. On le croirait presque sur ces images. Voici la même route que celle empruntée par la 3e division, mais c'était cet après-midi, après le passage des Américains. On circule entre les carcasses de blindés. Les Bagdadis s'amusent en criant des slogans à la gloire de Saddam Hussein. Pour la coalition, les combats dans la capitale sont loin d'être terminés. Au centre-ville, encore ces fumées noires, encore ces bombes tombées du ciel. Selon le comité international de la Croix-Rouge, plusieurs centaines de blessés irakiens ont été admis dans les hôpitaux de Bagdad, victimes des bombardements mais aussi des combats. Les images que vous allez voir sont particulièrement difficiles. Il serait bon de tenir à l'écart les enfants. Reportage ce matin de Grégoire Degnaud de l'agence CAPA. Récit Bertrand Coq. Des blessés, encore des blessés. Des combattants évacués vers tous les hôpitaux. Ici, celui de Kindi, dans l'ouest de Bagdad. Cet homme, que les médecins s'apprêtent à opérer, vient de perdre le pied gauche dans un accrochage avec les Américains du côté de l'aéroport. Pas d'image du front. Les Irakiens, qui subissent de lourdes pertes, refusent d'emmener les journalistes. Mais la guerre est là, dans ce chaos. Avec ces hommes qui s'affairent à en sauver d'autres. C'est tellement difficile aujourd'hui, depuis 2 jours. Tellement de bombardements, tellement de blessés. C'est la course pour sauver l'homme à la jambe coupée. Il a perdu beaucoup de sang, il est très faible.
Le sérum, les antibiotiques filent comme les combattants jetés dans la bagarre. Devant la caméra de l'étranger, les Irakiens serrent les dents sur leur douleur, leur colère. Comment savoir qui s'est blessé tiennent pour responsable de ce qu'ils vivent. On va les arrêter, on va se battre, dit l'infirmier. Que faire d'autre? Fuir? Que la honte soit sur nous si nous fuyons. Les Irakiens disent qu'ils tiennent, que ce matin, ils ont rejeté les Américains hors de l'aéroport. Mais l'homme est seul avec sa souffrance. Pour lui, la bataille de Bagdad est terminée. En direct de Bagdad, Gérard Griesbeck, on parle d'une violente explosion dans le centre de la ville il y a quelques instants. Vous pouvez confirmer? Oui, tout à fait. Pas très loin de là où nous sommes, à l'hôtel Palestine. Vous savez, de l'autre côté du fleuve, donc à 500 mètres d'ici, se trouve un des palais de Saddam Hussein. C'est un palais qui a été bombardé maintes et maintes fois par l'aviation américaine. Et encore tout à l'heure, une bombe de très forte puissance est tombée dessus. Alors on pourrait penser que les Américains s'acharnent sur un bâtiment qui est quasiment détruit. Mais ils s'acharnent sur ce bâtiment parce qu'ils pensent que peut-être sous ce bâtiment, dans un bunker, se trouve le président irakien. Y a-t-il eu toute cette journée des bombardements sur Bagdad et ses faubourgs, des raids incessants? Oui, depuis maintenant 24 heures, de façon incessante, la ville est bombardée. Évidemment, la périphérie surtout est bombardée, mais y compris pas très loin d'ici, les bombardements se poursuivent. B-52, Tomahawk lancés de navires américains. Maintenant, il n'y a même plus d'alerte. C'est-à-dire que les bombardements se succèdent à d'autres bombardements. Gérard, d'après nos informations, il n'y aurait pas de soldats américains dans le centre de la capitale. Parle-t-on de simple incursion ou de stratégie militaire? C'est vrai que maintenant qu'on a un peu le recul de la journée, ce matin on avait un peu l'impression que les Américains seraient peut-être ce soir dans le centre de la capitale irakienne. En réalité, on a l'impression que les Américains testent leur adversaire. Ils savent que la garde de sécurité républicaine les plus proches de Saddam Hussein sont maintenant sur la périphérie et ils auront du mal avec cette garde parce que c'est vraiment le dernier carré autour de Saddam Hussein. Donc ils veulent attirer vers eux ce dernier carré de façon à pouvoir le détruire à l'extérieur de la ville, d'où cette incursion qu'on a vue ce matin. D'où y compris on nous dit maintenant que les Américains ne tiennent pas vraiment l'aéroport, non pas parce qu'ils ont été repoussés par les Irakiens, mais parce qu'ils voulaient simplement tester là encore la résistance irakienne, faire venir vers eux la dernière garde rapprochée de Saddam Hussein de façon à pouvoir les tuer sur place et non pas dans la ville, de façon à éviter le plus possible des victimes civiles. Merci Gérard Griesbeck. Voyons à présent les dégâts qu'ont provoqué les bombardements sur Bagdad. Notre équipe, encadrée par les autorités, n'a pas eu accès à tous les sites, bien sûr. En guise d'état des lieux et de la présence de militaires ou de miliciens irakiens dans la capitale, reportage Bertrand Koch, Emmanuel Beck. En plein Bagdad, des camions chargés de volontaires prennent la route du front sous les acclamations. Mais sitôt sortis du centre-ville, les rues se vident. Et dans le quartier Mansour, nous croisons une demi-douzaine de chars qui descendent vers le sud. À défaut de nous conduire sur le front, les Irakiens nous emmènent dans un quartier palestinien touché hier soir par des tirs de missiles. Cet homme explique comment un projectile a crevé le toit de l'auvent devant sa maison et que des éclats ont brisé toutes les vitres et même le miroir de l'entrée. Sur le sol de la cour, de petits cylindres gris d'une dizaine de centimètres. Des sous-munitions, affirment les Irakiens, qui accusent les Américains d'utiliser des bombes à fragmentation. C'est inacceptable, s'insurge ce Fedaïn. Comme les Américains n'arrivent à rien sur le front, ils bombardent les civils. Le quartier est plein d'hommes en armes. Il y règne une certaine confusion. Les militaires ramassent des fragments de bombes comme autant de preuves, dit celui-ci, de l'agression contre les Palestiniens. Mais les habitants préfèrent rester chez eux. Éternels réfugiés, la guerre est leur patrie. Et visiblement, ils ne portent pas les Américains dans leur cœur. Les combats sont loin d'être finis à Bagdad, affirment ce soir les forces américaines qui contrôleraient et sécuriseraient l'aéroport de la ville. Il ne s'agit pas encore de prendre ou de faire le siège de la capitale, symbole du pouvoir irakien, mais quelle stratégie est suivie par ces unités qui ont commencé à faire mouvement en prenant l'aéroport, puis en poursuivant leur route vers le centre avant de rebrousser chemin? Les hypothèses, Bernard Lebrun.
Sous-équipés, mais fiers et motivés en apparence. Prêts à donner leur âme et leur sang pour Saddam Hussein, comme le dit la télé. Pendant des mois, la propagande irakienne a répété que Bagdad était une forteresse imprenable, menaçant les Américains d'en faire leur tombe. Et visiblement, ce groupe de miliciens filmé aujourd'hui, à un carrefour de la ville, le croit encore. Basé à l'aéroport, les forces américaines n'ont pas attendu les renforts pour faire une incursion dans le centre-ville. Message, briser la réputation d'invincibilité que le Raïs a voulu donner à sa capitale. À 5h ce matin, une trentaine de chars Abraham atteignaient le quartier de Yarmouk. Dans la matinée, une autre colonne de la 3e division d'infanterie, nettoyant tout sur son passage, pénétrait en ville par la porte sud de Dora, puis bifurquait à l'ouest et traversait les faubourgs avant de gagner l'aéroport. À moins de 20 km de cet aéroport, le long des rives du Tigre, se trouvent les bâtiments officiels du régime. Ils constituent autant d'objectifs prioritaires et symboliques pour les troupes américaines. Vous savez, Bagdad quand même, l'Irak en particulier, ça reste un pays sociologiquement de tiers-monde. À partir du moment qu'on prend le centre de pouvoir, le reste s'éteint. Ce qui ne veut pas dire pour l'instant que la population soit résignée. Loin de là. La scène se déroule dans le quartier de Yarmouk et ces hommes exhibent l'uniforme américain du soldat Diaz. Ils disent l'avoir capturé ce matin près de l'aéroport, qu'il tirait sur eux et qu'il est désormais en prison. Bien sûr, durant leur entraînement au Koweït, les Marines américains se sont entraînés au combat de rue. Mais la guérilla urbaine demeure le cauchemar de toutes les armées conventionnelles. Aujourd'hui à Bagdad, dans chaque quartier avec plus ou moins d'enthousiasme, à chaque coin de rue, les civils se préparent à l'attaque. Mais cela ressemble plus à de la défense passive que de la guerre de tranchées. En direct de Doha au commandement central, Patrice Romden, beaucoup de déclarations des officiels américains depuis ce matin. Comment explique-t-il la logique de ces premiers assauts dans Bagdad ? Eh bien Béatrice, au commandement central, on mise sur la mobilité de la 3e division d'infanterie. En pénétrant dans Bagdad, elle va au contact pour évaluer les forces et tester la motivation des soldats irakiens. Alors, les chars que l'on a vus aujourd'hui à Bagdad, nous dit-on ici, n'ont pas forcément vocation à y rester. Ils peuvent se replier et c'est là que le contrôle de l'aéroport est extrêmement important car l'aéroport sert de base et on nous dit ici que d'ici quelques jours, l'une des deux pistes de l'aéroport sera utilisable et pourra faciliter l'arrivée éventuelle de renforts. Enfin, en pénétrant dans Bagdad, la coalition actionne un levier psychologique. Les messages que nous transmettons sont cruciaux pour notre stratégie, confessent les officiers américains. Et le message du jour, eh bien, il est très simple. Nous pouvons pénétrer dans Bagdad quand nous le souhaitons et prouver ainsi que, contrairement à ce qu'elles disent, les autorités irakiennes ne contrôlent pas la capitale. Merci Patrice Romden. Les troupes américaines continuent leur progression et convergent vers Bagdad. D'abord au sud-ouest de la ville, autour de l'aéroport, on l'a dit, qui est une base d'opération. Plus au sud-est, c'est le corps expéditionnaire des Marines qui fait route vers la capitale. Agnès Varamian et Patrick Desmuni sont parmi eux. Voici leur témoignage. L'artillerie américaine au-dessus de nos têtes pour déloger des tireurs irakiens embusqués quelque part dans une oasis le long de la route. Les civils, eux, s'éloignent de Bagdad, vers le sud. Le convoi des Marines reprend son chemin, encore 10 km et les premiers faubourgs. Un char américain, il a sauté la nuit dernière dans une attaque suicide. Tout près, 4 cadavres de soldats irakiens. Ils auraient tiré sur un convoi dans la matinée. L'embuscade devant nous ralentit les troupes, sans les stopper. Nous avons entendu dire qu'un de nos gars avait été tué l'autre jour. Ça rend les choses plus concrètes pour nous. Enfin, je sais pas. En même temps, ça reste irréel. On repart. Rouler, s'arrêter, constamment. C'est ainsi le jour et la nuit. Des traces de bombardement, de l'artillerie. Les civils qui fuient nous parlent des fédaïnes irakiens. Nous avons décidé de quitter Bagdad. Nous avons décidé de quitter la ville parce qu'hier, il y avait des bombardements. On nous a demandé par haut-parleur de vider le quartier où nous habitons. Il y a des kamikazes qui sont entrés dans Bagdad. Ils marcheront encore plusieurs kilomètres. Finalement, les Marines quittent la route avant de faire demi-tour pour la nuit, salués encore mais déçus de ne pas être à Bagdad.
Donc hier, une unité a tenté de rentrer dans la capitale irakienne par le sud-est, mais les Irakiens avaient fait exploser un pont d'accès. Les forces américaines ont dû rebrousser chemin pour passer un peu plus à l'est. Les troupes de la coalition opèrent sur plusieurs fronts. En dehors de Bagdad, la 101e division aéroportée a lancé l'assaut pour prendre les villes de Karbala et de Najaf, situées à quelques 100 km au sud de la capitale. À Najaf, on assiste à de vrais combats de rue et à une chasse à l'homme des membres du parti basse. Les soldats américains fouillent maison par maison. L'attaque de ces deux villes est soutenue par l'aviation avec pour objectif protéger les arrières des troupes qui sont autour de Bagdad. Et puis à Karbala, les militaires ont découvert des caches de munitions, de grenades et de produits chimiques susceptibles d'être transformés en armes offensives. Karine Komati. Lorsqu'on cherche des armes en Irak, on les trouve parfois là où on ne les attend pas. Par exemple, dans une école de filles à 80 km de Bagdad. Il n'y a aucune raison pour qu'on trouve ça au milieu d'une cour d'école. Manifestement, ils utilisent ça pour confectionner du napalm artisanal. Mélangé avec de l'essence et du détergent, ça fait du napalm. Ça colle à la peau, c'est très corrosif et ça ne te loupe pas. Ici, on en a trouvé une demi-douzaine disséminées. Et ces soldats américains ne sont pas au bout de leur surprise. Dans cette salle, des fûts contenant des produits en apparence inoffensifs, du D6, de l'actélique, autant d'insecticides qui peuvent rentrer, selon ce marine, dans la composition du napalm artisanal. On a trouvé tout ça à temps, et Dieu merci, personne n'aurait été blessé, ni militaire, ni civil. Dans la cour, des obus de mortier, de la dynamite, des appareils de visée nocturne, les caisses défilent, certaines étiquetées en anglais. D'autres à la provenance plus clairement identifiée. Arabie Saoudite, Jordanie, Yémen. On trouve même, selon ce militaire, des détonateurs de grenades français. Ouvrez seulement ici. Vous voyez, c'est écrit pour les grenades françaises. On est loin des armes de destruction massive recherchées par les inspecteurs de l'ONU. Pourtant, ce soldat n'hésite pas à parler d'armes chimiques. Vous voyez, c'est la même, sans détonateur. Vous voyez, c'est chimique. C'est sur les indications d'un ancien membre des forces spéciales irakiennes que les Américains ont trouvé cette cache. Sous la dalle de béton de la cour, les Irakiens auraient dissimulé d'autres armes. Les recherches se poursuivent. Au nord maintenant, nouveaux raids aériens sur la ville de Mossoul et ses environs. Des forces américaines spéciales et des combattants kurdes irakiens opèrent désormais dans ce secteur. Des petites unités qui font route également vers la ville de Kirkouk. Des troupes irakiennes seraient encerclées d'après les responsables de l'Union patriotique du Kurdistan. Assiégée depuis plus de 10 jours, la ville de Bassora a fait l'objet de plusieurs incursions avec comme objectif probable, comme à Bagdad, identifier les zones de résistance. Claude Saint-Père. L'image est tout un symbole. Les troupes britanniques dans un des faubourgs de Bassora qui détruisent une statue de Saddam Hussein. Depuis plus d'une semaine, les Britanniques encerclent cette grande ville du sud irakien. Mais Bassora résiste toujours, malgré de très nombreux raids aériens. La nuit dernière, toujours dans les faubourgs, les Britanniques ont lancé plusieurs opérations commando. Ils cherchent les leaders locaux du parti basse. Selon les Britanniques, ces responsables du parti terrorisent la population et font tout pour empêcher que la ville se rende. Chaque prisonnier est cagoulé, menotté avec des liens en plastique. L'opération se déroule sans coup de feu, mais sans ménagement. Et certains prisonniers tremblent de peur. Pour la première fois aujourd'hui, un caméraman indépendant a pu filmer à l'intérieur de la ville. Quelques habitants font lever de la victoire devant la caméra. Et d'autres s'empressent de montrer leur prise de guerre. Dans la cour d'une maison, les restes d'un drone, un avion espion sans pilote. Et juste à côté, une moto tout-terrain prise aux forces de la coalition. Un peu plus loin, on découvre des bâtiments touchés par les bombardements. Ici, apparemment, le siège de la compagnie irakienne de pétrole. À l'hôpital, sur ces images, pas de militaires blessés, mais des civils. Une petite fille amputée. Dans un coin de la pièce, à même le sol, une femme avec son enfant. Et à côté, un père qui montre son fils blessé à la tête. Il est vivant. Le père explique aux journalistes qu'il a déjà perdu son autre fils et ses deux filles. On ne dispose pour l'heure d'aucun bilan sur le nombre des victimes à Bassora. À l'extérieur de la ville, dans les champs, on peut apercevoir des centaines de réfugiés qui ont fui les combats.
Toujours dans le secteur de Bassora, des centaines de corps ont été trouvés par les Britanniques dans une base militaire abandonnée. Il s'agit d'ossements dans des sacs en plastique et des cercueils, des restes humains qui vont être examinés, qui pourraient dater de plusieurs années, peut-être de la première guerre du Golfe. Tout au sud, dans les faubourgs de Oum Qassar, première scène de fraternisation entre la population et les soldats de la coalition, dans ce secteur où l'on manque toujours cruellement d'eau. Christian Autain, Philippe Turpeau. Les grands travaux ont commencé dans le centre d'Oum Qassar. L'affaire est sérieuse et se déroule sous bonne garde. Car ici, les Américains ont décidé d'aménager un terrain de football. C'est l'occasion pour les soldats de fraterniser avec les jeunes Irakiens qui sont venus voir l'attraction du jour. Quand vous êtes là comme ça au milieu des gens, c'est facile de se sentir à l'aise. Mais au fond de moi-même, je reste sur mes gardes, au cas où quelque chose arriverait. D'autres, pourtant, doutent de l'utilité d'une telle opération. C'est pour les gens du village. Même s'ils ont avant tout besoin d'eau, on leur construit, nous, un terrain de football. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Attention, attention, l'eau est distribuée gratuitement dans les camions-citernes. Car la pénurie ici déclenche toutes sortes de trafics. Et pour les habitants d'Oum Qassar, trouver de l'eau est une urgence absolue. Et cela provoque parfois la colère. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Oum Qassar? Que font les Nations Unies? Que font les troupes britanniques américaines? Où sont-ils tous? Tout près de là, au marché d'Oum Qassar, les affaires reprennent doucement. Les étals sont maigres, mais les Irakiens en ont l'habitude. Ce qui les préoccupe aussi, c'est bien leur avenir. On est sous occupation, vous savez. Peut-être vont-ils rester 2 ou 3 ans, personne ne sait. Qui peut nous donner la garantie qu'ils vont partir après, quand ce sera fini? Personne ne sait. Les violents combats qui ont opposé les forces anglo-américaines aux troupes de Saddam Hussein, ici à Oum Qassar, semblent déjà bien loin. Mais l'essentiel est ailleurs. Il s'agit aujourd'hui de gagner une autre bataille, celle de la paix. L'aide humanitaire d'urgence avec ces deux navires qui font route pour Oum Qassar. À leur bord, plus de 50 000 tonnes de blé, suffisamment, dit-on, pour nourrir 4,5 millions d'Irakiens pendant un mois, annonce faite par un porte-parole américain. Revenons à présent sur l'entrée des premières troupes américaines à Bagdad ou dans ses environs. Les autorités irakiennes multiplient les communiqués vengeurs ou triomphalistes, affirmant que l'armée américaine est encerclée ou qu'elle est défaite. Mais avec quelles troupes, quels chars, quelle artillerie? Et voici ces questions pour l'instant sans réponse. Où sont passés les soldats de Saddam Hussein? Sa garde rapprochée aurait dû entrer en action. Thierry Curtet. L'armée irakienne, la voici. Dans les jardins de Bagdad, sur les bords du Tigre, l'artillerie attend, camouflée. Ces images ont été tournées ce matin. Le calme apparent des soldats indique qu'ils ne sont pas encore entrés, eux, dans la bataille. Pas encore. Mais quelle est la capacité de réaction des Irakiens aujourd'hui? La situation actuelle pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les Américains annoncent avoir causé des pertes effroyables dans les rangs adverses. Or, selon les statistiques militaires, une armée qui compte 10% de tués est considérée comme hors de combat, car elle compte aussi de 30 à 40% de blessés qui paralysent les hommes encore valides. Avec ce raisonnement, la plupart des divisions irakiennes ne semblent donc plus pouvoir opposer de défense structurée, organisée. Elles n'ont par exemple pas su s'opposer à l'avancée rapide des Américains ces 72 dernières heures. Mais là aussi, des questions se posent. Est-ce une véritable faiblesse ou une stratégie pour encourager les troupes américaines à se précipiter dans Bagdad? Pour l'instant, pas de réponse. En tout état de cause, l'armée irakienne n'a pas disparu. Ce matin, ses troupes scandent encore « Non à l'Amérique, nous sacrifierons notre vie pour Saddam » en brandissant des photos de prisonniers autour de carcasses encore fumantes de blindés américains. Et puis Saddam Hussein appelle ce soir à augmenter le nombre des attaques hors de Bagdad. C'est un discours qui a été lu par son ministre de l'Information. Avec nous, Pierre Servant, bonsoir. Vous êtes expert bonsoir. Militaire, lieutenant-colonel. Plusieurs questions. D'abord, en effet, concernant les troupes irakiennes. Diriez-vous, comme l'armée américaine, que l'armée irakienne n'est plus une force structurée, qu'elle n'est plus une force de combat? C'est vrai qu'il y a pas mal de signes qui montrent que cette armée est déstructurée. On l'a vu à Kerbala. C'est-à-dire qu'en terrain découvert, cette armée ne peut pas faire le poids face au rouleau compresseur américain, notamment parce qu'elle n'a absolument aucune maîtrise de l'air et que les appuis-feux par hélicoptère ou par l'aviation sont décisifs dans ce type de combat. Donc en terrain libre et en choc frontal d'unité à unité, l'armée irakienne est renversée et culbutée. Maintenant, elle montre une capacité de résistance un peu plus importante dès qu'on se situe dans des combats périurbains ou urbains avec des pertes
pertes humaines significatives, puisque si on en croit les derniers communiqués, plus de 1000 Irakiens auraient été tués dans les combats autour de l'aéroport. Donc ce qui montre de la part du combattant une volonté de se battre, comme on peut le voir à Bassora notamment. Comment analysez-vous ces incursions, ces premiers assauts des troupes américaines dans Bagdad? Avez-vous l'impression que c'est une simple stratégie, que c'est une façon d'éviter cette guérilla urbaine que les Américains redoutent? Je pense que cette pénétration d'une colonne de blindés a sans doute une double signification. La première, elle est strictement militaire, puisque nous sommes à proximité de l'aéroport qui a été conquis. Et si l'on veut utiliser, si les Américains veulent utiliser cet aéroport en toute sécurité, ils sont obligés de sécuriser les abords. Et vous savez que les premiers faubourgs sont à 10-15 km de l'aéroport. Donc la mission militaire consistait très naturellement à pénétrer dans ces faubourgs pour voir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Il n'est pas impossible que, compte tenu de la faible résistance et peut-être du facteur de surprise qui a joué, cette colonne soit allée un petit peu plus loin, mais elle est revenue parce que sa mission n'était pas une mission de combat, de vive force pour pénétrer dans Bagdad. Ça, c'est le point militaire. Le point psychologique, on peut penser qu'il est de deux types. D'une part, c'est peut-être une riposte, une réponse à la sortie de Saddam Hussein, d'hier ou d'un de ses sosies, la question demeure toujours. Mais effectivement, Saddam Hussein sort dans la rue pour galvaniser ses foules, et le lendemain, des chars américains pénètrent Bagdad et donc envoient un signal fort, et c'est le deuxième aspect psychologique, à la population pour dire ce pouvoir est vulnérable, nous avons pénétré, population fuyée. Car on voit bien que le problème des Américains, c'est d'éviter absolument la multiplication des images que vous avez montrées tout à l'heure, c'est-à-dire ces civils. Donc vous diriez qu'il y a une sorte de course contre la montre qui s'est engagée? Oui, tout à fait. C'est effectivement une course contre la montre. On voyait bien dans les déclarations des responsables américains hier, leur peur, c'est le siège. C'est un siège qui dure et qui provoque des désastres civils à l'intérieur de la ville. Donc il y a une course de vitesse, une volonté de marquer le terrain, de marquer l'avantage et d'essayer de casser le dispositif irakien. Merci Pierre Servan. En Grande-Bretagne, nouvelle manifestation pacifiste. Pas plus d'un millier de manifestants dans la capitale, à Londres. Un cortège qui s'est rendu devant l'ambassade des États-Unis appelant à la démission de Tony Blair. Dans l'actualité de ce samedi, les avancées de l'épidémie de pneumonie atypique. 2600 malades ou cas suspects recensés dans le monde. Aujourd'hui, c'est en France, dans le Cantal, qu'un couple a été placé en observation. Il revenait du sud-est asiatique comme d'autres qui ont regagné la France et dont les entreprises, souvent par manque de consignes, ne savent que faire. Faut-il qu'ils réintègrent immédiatement leur poste ou doit-on les placer en quarantaine? Nathalie Sapella. Un masque, même chez elle, pour ne pas contaminer les autres. Depuis qu'elle est rentrée de vacances du Vietnam, il y a une semaine, Yasmine multiplie les précautions. J'évite de me promener dans, comment dirais-je, dans les espaces où il y a beaucoup de monde, et puis c'est tout. Elle ne présente aucun signe de pneumonie atypique, ni fièvre, ni toux. Mais son employeur a peur, Yasmine a été placée en quarantaine pendant 10 jours. Même inquiétude à l'hôpital de Besançon, où 9 personnes ont été en contact avec le deuxième cas français de pneumonie. Sans masque et sans gants. Le personnel dénonce l'insuffisance des mesures de protection. On aurait aimé que notre direction propose à tous les agents qui ont été en contact avec le patient puissent avoir un isolement. Dans les hôtels près de l'aéroport de Roissy, le port des gants est recommandé aux femmes de chambre, autant pour les protéger du virus que pour rassurer la clientèle. Nos consignes, nous les prenons des consignes qui sont données par la médecine de l'aéroport, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La psychose se propage plus vite que le virus. Mais pas question pour l'instant d'imposer des quarantaines aux milliers de personnes qui rentrent chaque semaine d'Asie. Nous avons immédiatement mis en alerte non seulement les centres hospitaliers de référence, mais l'ensemble des hôpitaux, les SAMU bien entendu, tous les services concernés de l'État, les aéroports. Il faut rappeler que sans symptômes, fièvre, toux ou gêne respiratoire, on ne risque pas de contaminer les autres. Une 15aine de personnes présentant ces signes sont actuellement en observation dans différents hôpitaux. Journée de départ sur la route des vacances de Pâques, une journée classée orange par Bison Futé. Les contrôles sont omniprésents comme sur la Nationale 10 près de Bordeaux. Séverine Lebrun. Pas de quartier, aucun contrevenant ne doit échapper à la vigilance des policiers. Tous les camions de plus de 7,5 tonnes sont arrêtés. Interdiction d'emprunter cette nationale ce week-end. La plupart sont des conducteurs étrangers, visiblement pas au courant, mais l'amende est systématique. 90 euros, ils savent que c'est la multa, comme on dit. La multa, c'est 90 euros pour la circulation interdite. Voilà. 6 gendarmes et 2 radars pour contrôler cette portion de route d'à peine 12 km. Le but de l'opération, dissuasion, contrôle de vitesse et de ceinture, des grands moyens qui apparemment portent leurs fruits.
On constate effectivement une modification des comportements, et c'est vrai surtout depuis le début de l'année. Les chiffres sont là pour le dire. Moins d'accidents, beaucoup moins de tués, c'est vrai, dans ce département. Grâce à de nouveaux radars, vitesse excessive, ceinture non attachée, téléphone portable au volant sont immédiatement détectés. Sur cette nationale, aucune mort n'est à déplorer depuis le début de l'année. En 2000, il y en avait eu 12. Une centaine de motards a investi cet après-midi la place Saint-Michel à Paris pour dénoncer les dangers de l'utilisation des portables par les automobilistes. Le portable au volant multiplie par 4 les risques d'accident. Politique avec le 32e congrès du Parti communiste, ambiance de règlement de compte avec comme cible principale la direction du parti. Les délégués ont fini par adopter un texte qui fixe la stratégie à venir. Hélène Hugues, Mathieu Birdel. Non mais il y a un problème, Nicole. Non, je suis en désaccord avec cette façon. Non mais il y a un problème parce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé hier. Même si ce n'est pas toujours facile, chacun peut désormais faire entendre sa voix au Parti communiste. Fini la belle unanimité des congrès, même si certains semblent le regretter, les désaccords apparaissent au grand jour. C'est la pagaille actuellement. Bon, on se croirait un peu chez les Verts, je crois, mais eux, c'est l'habitude. C'est la zone verte. Pour la première fois, une opposition s'organise à l'intérieur même du Parti communiste. Mais s'ils ont là, pourquoi ? Les orthodoxes, emmenés par Maxime Grémetz, devraient présenter une liste de candidats concurrentes de celles proposées par la direction du parti, du jamais vu. Moi, la direction, elle peut me retenir, je dis non à la direction et je serai sur une liste. Je ne veux pas être élu à la Brejnev, c'est-à-dire un vote bloqué, on ne peut pas choisir. Je suis étonné que tous ceux qui réclament qu'à l'aube du nouveau millénaire, il faut un communisme du 21e siècle, qu'on va y ressurgir Jurassic Park et l'entrée de nouveaux dinosaures ou d'anciens dinosaures que sont André Gérin et Maxime Grémetz. Marie-Georges Buffet devrait retrouver demain sans difficulté son poste de secrétaire national du PC. Il lui faudra alors tenter d'harmoniser les différentes voix qui s'élèvent à l'intérieur du parti. Le président de la Banque Centrale Européenne, Wim Duisenberg, a accepté de rester jusqu'à la nomination de son successeur. Une prolongation temporaire de son mandat permettrait de garder intactes les chances de Jean-Claude Trichet de lui succéder. Le gouverneur de la Banque de France est pour l'instant poursuivi dans le procès de l'ancien Crédit Lyonnais. Alors que va se dérouler le premier tour de l'élection de l'organisme représentant les musulmans de France, je vous propose de découvrir le seul centre qui forme actuellement les imams en France. Il se situe dans la Nièvre. Reportage, Hélène Orguet, Jean-Yves Blanc. Le cours de Coran est dispensé en arabe, la langue du livre sacré des musulmans, mais ses élèves sont français, parfois anglais ou allemand. Les hommes au premier rang, les femmes au fond de la classe, conformément aux préceptes religieux. Ils sont les futurs cadres de l'islam de France. Seuls les hommes pourront devenir imams et diriger la prière du vendredi. Les femmes enseigneront dans les mosquées, les écoles coraniques, après 4 ou 6 ans, passés dans cet établissement au cœur du Morvan. Ici, on est tous censés être nés et avoir grandi en Europe, donc on connaît les us, les coutumes, les tralala et les tralali aussi. Et donc ça fait que le message qu'on peut adresser aux fidèles, il est beaucoup plus adapté à l'attente et aux besoins des fidèles que des imams qui viennent apporter du bled, comme on dit entre guillemets chez nous. C'est grâce à l'argent des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite que l'Institut a pu acheter ses bâtiments en 1992. La direction revendique son indépendance en matière d'enseignement, mais elle reste proche de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, est réputée influente auprès des jeunes dans les banlieues. Les imams qui sortent de chez nous, ils sont capables de faire, ils sont capables de donner les repères religieux d'abord, et aussi de donner des cours de comportement, de morale musulmane, qui évite ces enfants, ces jeunes, de tomber dans la délinquance. Des qualités éducatives autant que théologiques, voilà le profil de ces futurs cadres religieux. Leur offrir un statut comparable à celui des prêtres ou des rabbins, créer un institut de formation officielle. Ces projets devraient faire partie des objectifs prioritaires du Conseil français du culte musulman. Et voici les résultats définitifs du Téléthon 2002. La générosité des Français une nouvelle fois au rendez-vous avec une concrétisation de promesses de dons au-delà des 100%. Marie-Pierre Samitier. Le compteur, 85 millions d'euros, 580 752. C'était plus de 85 millions d'euros de promesses.
un record par rapport aux promesses en 2001. Et ces 85 millions d'euros promis se sont transformés en 91 546 548 euros. Les Français ont donné 6 millions d'euros de plus que ce qu'ils avaient promis. Une grande générosité. On se rappelle d'ailleurs les milliers de manifestations de bénévoles en décembre dernier pour collecter l'argent destiné à la recherche sur les maladies génétiques. Les 15 essais que nous avons programmés dans les 5 ans qui viennent concernent les maladies de la rétine, de la peau, du foie, des muscles, du système sanguin, bref, tous ces organes touchés par ces maladies génétiques qui sont souvent des maladies rares. Cette nuit aura lieu le Téléthon Regard avec les images des vidéos amateurs tournées en décembre. On y verra les moments les plus marquants du dernier Téléthon. Tennis en quart de finale de la Coupe Davis. Les Suisses se mènent 2-1 devant l'équipe de France après leur victoire cet après-midi en double à Toulouse. Nathalie de Ringsin. Depuis quelques semaines, les supporters suisses ne savent plus où donner de la cloche. Après la Coupe de l'Amérique, voici la Coupe Davis. Dans le rôle du capitaine, Marc Rosset et ses fameux services à plus de 200 km/h. De l'autre côté du court, Santoro et Escudé doivent sortir le grand jeu pour contenir leur adversaire. Après une heure de jeu, les deux équipes sont à égalité une manche partout. Malgré le soutien du public, la paire française ne parvient pas à prendre le meilleur. Les coups de génie de Santoro ne suffisent pas. Il y a des jours où ça ne rigole pas tant que ça. Finalement, après un peu moins de 3 heures de jeu, Federer et Rosset viennent logiquement à bout de l'équipe de France. À Toulouse, les Suisses mènent 2-1. Les Français n'ont plus droit à l'erreur s'ils ne veulent pas se rhabiller à la surprise générale dès les quarts de finale. Et puis du football, un match avancé de la 32e journée de Ligue 1. Lyon a battu le Havre 2-1 et prend provisoirement la tête du championnat. En ce premier jour des vacances de Pâques, cliché instantané de ces pistes de ski, toujours enneigées à Isola 2000, en cette fin de saison. Virginie Tumortiki, Frédéric Cerulli. Difficile de ne pas être heureux lorsque la neige flirte avec le printemps. Malgré le redout, ces derniers jours, il est tombé 50 cm de neige sur Isola 2000. C'est comme toutes les années, au mois de mars tout le monde se dit on est au printemps, au mois d'avril il nous tombe un petit 60 cm, c'est ce qui est passé cette année et on est en neige de janvier. 1,10 m en bas des pistes, 2,50 m sur les sommets, la dernière couche de poudreuse de la saison est tenace. C'est son ultime combat contre les morsures du soleil. 95% des pistes sont ouvertes parce qu'il y a des côtés sud où c'est pas ouvert, mais enfin il y a quasiment tout le domaine ouvert, ce qui permet à tous les gens de venir profiter de ce manteau blanc jusqu'au 27 avril parce que c'est vrai qu'au mois d'avril, on dit te découvre pas d'un film, mais fais quand même du ski. Certains n'ont pourtant pas hésité à se découvrir. Quand le thermomètre s'envole au-dessus des 10 degrés, on oublierait presque que la mer se trouve 2000 mètres plus bas. C'est pareil, on prend du bon temps. Un jour à la montagne, un jour à la mer. Bah là, il y a les oiseaux qui chantent, il y a des sapins qui commencent à avoir des petites feuilles. La neige n'est pas bonne, d'accord, mais bon, sinon ça va. Il y a du soleil qui fait bien, ça va, le soleil est bon. Mais quand on est mordu de glisse, les conditions sont tout de même exceptionnelles. D'habitude, mois d'avril, il n'y a pas de neige hors piste, il n'y a que de l'artificielle. Et là, je vois qu'il y a pas mal de neige. Pour un mois d'avril, c'est vraiment bien. Alors bien sûr, la fréquentation est bien inférieure à celle de février. Mais pour les skieurs, c'est aussi ce qui fait le charme des flocons de printemps. Pour une petite semaine seulement, le spectacle traditionnel de l'école de danse de l'Opéra de Paris rend hommage à 3 chorégraphes, dont Janine Chara, l'une de ses plus grandes danseuses dans les années 50. Sophie Joux, Bernard Puisseau et Didier Dahan ont assisté à la générale. Lui, c'est Mehdi, 17 ans, élève de l'école de danse. Ce soir, il va déjà réaliser son rêve. Être étoile sur la scène de l'opéra dans le ballet Jeu de cartes de Janine Chara. Janine Chara, une des légendes de la danse française. Et lui, il a une technique, vous savez les oreilles, mais il a une technique formidable. Mais bien sûr, ils n'ont pas encore, si vous voulez, la maturité pour exprimer les choses, la gaieté, la tristesse et tout ça. Et ça, je crois que j'arrive à bien lui insuffler ça. C'est assez angoissant quand même, mais c'est un défi qui est assez excitant à relever. Donc non, ça me plaît. Et puis bah, j'ai la chance d'avoir eu ce rôle, donc... Il faut que je leur prouve que je le mérite.
Maître du jeu, Mehdi le joker jouera sa partition avec brio. Bien sûr, son plus cher espoir est de se faire remarquer pour intégrer le corps de ballet une fois l'école terminée. Un petit rat, intimidés et fiers, ont investi le palais Garnier avec le même rêve. Devenir danseur étoile, j'ai beaucoup le trac. Chaque année, sur une promotion d'une quinzaine d'élèves, deux seulement sont admis dans la troupe de l'opéra. En attendant, tous profitent pleinement de la chance qui leur est donnée de vivre leur rêve d'enfant. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet. 20h55, le grand blind test présenté par Thierry Ardisson. 1h25, le dernier journal d'Ève Mettet. Excellente fin de soirée sur France 2.